Yo YouTube, I'm back. So guys, nouvelle vidéo try and haul. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de try and haul sur ma chaîne. Bon, tout d'abord avant de commencer, je suis en pyjama. Exactly. Les vrais qui me suivent sur Snapchat, vous savez que j'ai filmé deux vidéos. Et puis j'ai fait des photos Instagram pour la marque Fenty. Donc me voilà en pyjama. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer en pyjama? Parce que de toute façon, je vais porter les vêtements. Vous allez voir ce que ça donne sur moi. Bon, sans plus tarder, je vous ai fait un try and haul. Et donc j'ai décidé de vous faire des hauls chaque mois. Donc ceux qui me suivent sur Snapchat, vous ne savez pas, maintenant vous êtes au courant. Mais ceux qui me suivent sur Snapchat, je vous avais demandé si ça vous disait que je vous fasse des try and haul. Des hauls en gros chaque mois. Et vous êtes beaucoup, vraiment, vous m'avez tous dit oui. Donc me voici, me voilà à faire des hauls chaque mois. Donc vous allez me voir faire des hauls chaque mois. Je pense que ça va changer un peu des vlogs. Donc je vous ai fait un haul de toutes les choses que j'ai achetées récemment. Vraiment, j'ai tout mis. Que ce soit Zara, Pinky, etc. Friperie, etc. Donc je vous ai tout mis et let's go start. Premier tenue que j'ai à vous présenter, guys. C'est vraiment trop cute. Alors si vous voyez beaucoup de roses, et c'est pas encore fini parce que dans mes hauls, vous allez voir vraiment beaucoup de roses. C'est parce qu'en fait en ce moment je suis dans une vibe de couleur rose, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que pour l'été en fait j'ai besoin de rose. Le rose c'est ma couleur de l'été ce mois-ci, cette année pardon. Alors là pour l'instant ce que je vais vous présenter c'est vraiment Zara, tout ce que j'ai acheté à Zara, et après je vous ferai une catégorie le reste et tout, mais là c'est vraiment que Zara, là on est focus sur du Zara. Du coup, alors, à Zara, j'ai pris ce haut-là. Il est super beau. Désolée, ma chambre a fait un peu de bruit et tout. Le sol, c'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, ce haut, c'est un petit top rose échancré au niveau de devant. Il existe avec le short, mais j'ai pas voulu parce que le short, c'est vraiment les shorts très, très courts. Et... non, merci. Je l'ai pris en taille S. Très beau, franchement. En même temps, je me regarde dans le miroir pour voir. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, quand je l'ai vu... j'ai beaucoup aimé, j'ai encore les tickets de caisse parce que je viens de les recevoir hier à peu près. Il m'a coûté 19,95€. Il m'a coûté 19,95€ et franchement genre, guys, this is so cute. Le pantalon, c'est un pantalon, je vais vous montrer après le rendu sur le côté, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment il tombe en bas. Mais le pantalon, il est très beau. Quand je l'ai vu sur le site, j'aimais beaucoup. Petit bémol, c'est vraiment un pantalon qui se met pas avec des talons. Parce que moi, je fais 1m67-68, franchement, par là. Du coup, il va jusqu'en bas, mais il tombe vraiment pas de ouf. Je vais l'essayer avec des baskets après, parce que j'ai pas encore essayé. En fait, je l'ai essayé avec des dunks, mais je vais essayer avec des dunks montantes pour voir si ça va matcher. Parce que j'hésite vraiment à le garder ou pas. Voilà pourquoi il y a encore le ticket en plus. Parce que je sais pas. Mais il est très très beau. Je trouve qu'il match parfaitement avec le top. Genre, je voulais vraiment les combiner ensemble. Et j'ai vraiment rien à dire parce que j'aime beaucoup. Genre, il est très très cute. Et je l'ai pris en taille 38. J'ai pris du poids. Mais il me va parfaitement. Je suis très contente. Ensuite, deuxième tenue Zara. Il y a ce top là qui est en taille S. Franchement, il y a un défaut, ça se voit à la caméra. Il y a des taches, je vais le remettre et je vais reprendre un autre qui sera tout neuf et tout parce que ça va pas du tout. Et du coup, voilà, du rose encore une fois. J'aime beaucoup trop, trop, trop. Franchement, cet été, je trouve que ma couleur, c'est le rose. Vraiment le rose. Je l'ai pris en taille S. Il est très, très beau. Il taille bien. Franchement, rien à dire. Ensuite, il y a ce pantalon-là qui est comme ça. Il est déchiré. Je vais essayer de reculer un peu. Vous pouvez voir, voilà, il est déchiré. Je l'ai pris en taille 38. Il est bien, et franchement, il taille grave bien. Problème, c'est que bon, après, c'est à peu près tous mes pantalons. Ça fait ça, c'est comme ça. J'ai des fesses bizarres, je pense. C'est que ça tire trop en fait. Ça tire trop, mais franchement, il est super bon. Il est super bon. J'aime trop. Il va bien en bas. Il est très très bien. Il m'a coûté celui-là 29,95€. Et je crois le top 15€, je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai pris cette robe-là. Elle est juste magnifique.
Ma chambre est grince, I'm sorry. Je suis désolée, ma chambre est grince, guys. Mais voilà, cette robe est magnifique. Je l'ai pris en taille S. Je l'ai déjà en vert, rouge, rosé et tout. De toute façon, je mettrai ici la photo que j'ai pris avec cette robe et que j'ai déjà postée sur Instagram. Mais il me l'a fallu en noir, comme ça. Avec une bonne perruque, une bonne coiffure noire, un bon make-up. Même avec ça, c'est mignon. Et du coup, je l'ai pris en taille S. Et franchement, et je l'ai pris pour 19,99€, un truc du genre. Et franchement, c'est magnifique. Et j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Elle est juste magnifique. Elle est un peu courte quand même. Ça donne ça. Elle est courte. Mais elle est super belle. Désolée, mais elle est super belle. Mais ma préférée, en vrai, c'est celle que j'ai déjà mise sur Instagram. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie. Mais celle-ci aussi, elle est belle. Ensuite, j'ai pris ce sac-là. C'est un sac de plage qui est super cute. Bon, je pense pas que je vais le porter comme ça parce qu'il est pas assez long. Je vais plus le prendre comme ça et tout, avec mon maillot de bain, à la plage et tout. Je l'ai pris à Zara. Et c'est très beau parce que, en fait, ce qui m'a vraiment poussé à l'acheter, on va dire, c'est que le fait que c'est marqué ici Zara. Et je trouvais ça très cute. C'est très beau. J'aime beaucoup, vraiment pour mettre à la plage, mettez votre crème solaire et tout. C'est ce que moi je compte faire et genre vraiment sac de plage, mini sac de plage on va dire, mini sac de plage. Et je l'ai eu pour 6,95€. Ensuite j'ai pris ce haut à Zara qui est comme ça devant, petite tête de mort. Et le derrière qui est comme ça, j'aime trop le derrière, en fait c'est ça qui m'a poussé à l'acheter. Du coup je l'ai pris en taille M, en fait il fait un peu S on dirait. Mais je me dis bon, au début j'hésitais à le reprendre, à échanger avec du L, et j'ai mis, en fait finalement c'est bien et tout. Je pense que je vais le mettre plutôt avec un pantalon, pas un jean, pantalon cargo. Voilà, je pense que ça va faire beaucoup plus joli. Franchement il m'a coûté 19,99€. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai pris au rayon des hommes et il est très très beau franchement. Le derrière, c'est ça qui m'a poussé à l'acheter. Et puis une couleur, en fait il est un peu noir gris, en fait il est plus gris et je trouve que c'est très joli en fait. Donc ensuite, j'ai pris ce top aussi à Zara. Je l'ai déjà en blanc. Et le orange, il m'a attiré vraiment de ouf. Et je trouvais que la couleur orange, en fait, ça va bien à la peau noire. Du coup, je l'ai pris en orange, en taille S. Il me semble qu'il coûte, si je dis pas bêtise, 10€. De toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos. S'il n'y a pas les liens en barre d'infos, sachez que c'est plus disponible. Et s'il y a les liens, c'est que c'est disponible. Mais voilà, je crois peut-être 10€ ou 12€, si je dis pas de bêtises. Et je trouvais que c'était c'est trop beau. Genre le orange sur une peau noire, c'est très 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 joli. Ensuite, là on va commencer un peu dans les friperies, les trucs des petits magasins et tout que j'ai trouvé. Il y avait ce short là. C'est ma mère qui me l'a acheté, mais je sais plus le prix. Je me rappelle, je sais vraiment plus le prix. C'est un short vraiment noir. C'est cool pour l'été. Donc la taille, je pense que c'est... Il n'y a même pas... Non, il n'y a pas la taille. Désolée, il n'y a pas la taille. Et il n'y a pas non plus la marque. Mais c'est un short, vous voyez, les shorts normales, juste déchirés et tout, qu'on peut trouver à Zara ou même H&M. Et voilà. Et je trouve qu'il va bien avec le orange. Ça fait très cute. Il y a aussi ce short-là qui vient de la marque Gina Lab. Et franchement, il est très beau. Je l'ai eu pour 10€, il me semble. Et je l'ai eu dans un magasin à Noz. Vous voyez un peu... je sais pas si vous avez Noz dans votre ville ou il y a que dans ma ville. Mais je pense que Noz, c'est partout. C'est comme Action à peu près. Et franchement, il est trop beau. Je l'ai eu pour 10€ et franchement... il est trop trop beau, guys. Par contre, il me sert à donf. Il me sert à donf. Mais franchement, j'aime bien quand même. Il me sert pas à donf quand même. J'abuse un peu. Mais il me sert quand même. Mais il est très très beau. J'en avais pas un jean tout simple comme ça. Voilà, il m'en fallait un. Ensuite, il y a dernière chose que j'ai à vous montrer de, on va dire, friperie, Noz, que j'ai acheté. C'est ce short-là. Il est délavé et tout. Il est très, 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 très beau. Il vient de chez les hommes et c'est une taille 32. Et je l'ai eu pour 10€. Et franchement, il est trop, trop beau. Je ne sais pas si ça se voit quand je vais reculer et tout. Il est vraiment délavé et tout. Genre, pas délavé, mais on a les motifs, c'est genre en mode la peinture qu'on jette et tout. Les éclaboussures de peinture. Et il est très très beau. J'ai aussi acheté ça à Noz pour le prix de 3€. C'est un bob façon pantalon
Tu vois, les voyez, les pantalons de chasse. La qualité, c'est vraiment pantalon de chasse et tout. Et c'est trop beau. Bon, là, j'ai des cheveux de fou malade. Du coup, ça fait un peu bizarre. Mais franchement, j'aime trop. Je pense avec un bon pantalon. Même un pantalon jean, je sais pas, peut-être cargo aussi. Mais j'espère que j'ai pas mis ma coiffure en fait. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Du coup, il me vient d'H&M, il m'a coûté 5€. Et je l'ai pris en taille XS, il me semble. Parce que moi, j'aime que ça me serre et que ça me fasse très très bien au niveau du corps. Ensuite, il y a ce haut qui vient aussi d'H&M. Il est comme ceci. Il y a une écriture ici. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est le derrière. Je sais pas si ça va se voir avec mes cheveux. Mais j'ai beaucoup aimé le derrière. L'imprimé derrière et tout. Il m'a coûté 9€ ce t-shirt là et franchement il est bien, franchement il est bien. Je l'ai pris en taille M parce que moi j'aime les trucs un peu oversize. Il vient de chez les hommes. Ensuite il y a ce pantalon là, c'est un pantalon de chez les hommes. Il n'est pas cargo mais il fait une matière un peu, moi j'appelle ça une matière kawaii. Genre en mode, vous voyez un petit peu les pantalons de pluie mais pas vraiment, la qualité n'est pas non plus vraiment qualité de pantalon de pluie. Mais quand même voilà. Et c'est trop bien, genre il va trop bien avec, vous pouvez pas le voir, mais il va trop bien avec le t-shirt et tout, ça fait trop bien. Avec la paire de, une paire de baskets et tout, genre il est trop trop bien. Et je l'ai pris en taille S par contre, parce que ça fait grand. Donc voilà. Et il vient de chez H&M Rayon Homme. Ensuite j'ai ce jean là, c'est un jean basique que j'ai eu à Bershka qui m'a coûté 19€. Je vous mets une photo que j'ai déjà postée avec sur Instagram et vous avez trop tous kiffé la ref. Genre vous m'avez tous demandé la ref de ce jean et franchement il est vraiment bien. Il tombe vraiment jusqu'en bas, il est top, il est vraiment trop top. Petit bémol, ça tire ici mais ça c'est à cause de, je pense à cause de mon popotin. Je dois avoir un corps qui, je sais pas, mais mes jeans en tout cas ça tire ici, ça me saoule. Mais voilà, il est très très beau franchement. C'est un jean basique mais franchement avec une paire de baskets c'est trop beau. Genre vraiment vous m'avez tous demandé la ref et tout. Et j'avoue que le jean il est vraiment trop bien. Pour le prix de 19€ franchement, rien à dire. Ensuite on a cette petite robe noire toute basique qui vient de chez Bershka en taille S. Et je sais plus le prix, désolé. Je mettrai la ref si je trouve en barre d'infos. Elle est sublime. Bon, elle est toute simple en fait, vraiment c'est une robe toute simple avec des claquettes, des petites paires de talons on va dire, façon claquettes, je sais pas comment expliquer ça. Mais elle est toute simple et elle est mignonne en fait, elle est toute mignonne en fait, c'est tout. C'est une petite robe mignonne. Dernier article que j'ai à vous présenter c'est cette robe là qui me vient de chez Bershka aussi en taille M. Et franchement elle est mignonne mais j'ai vraiment du mal avec des robes comme ça de sorcier. En fait, j'ai l'impression de sortir de ma zone de confort, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup encore du rose, désolé, mais je suis trop dans le thème du rose en ce moment. J'aime trop. Et je sais plus le prix, désolé aussi, je mettrai la référence en barre d'infos si je retrouve et si c'est disponible du coup. Ensuite, il y a cette veste en jean là que j'ai vue à Pinky et que j'ai absolument, absolument kiffé. Je l'avais montré dans mon vlog. Elle est trop trop belle. Elle est trop trop belle, genre vraiment. Ici c'est un bleu foncé. Ici un bleu clair. Manche bleu clair. Et là un peu bleu foncé. Franchement, j'aimais trop. Je l'ai eu pour 20€ et je l'ai pris en taille M. Un jean, une paire de baskets, un petit top, un petit body. Franchement. Et un petit sac, genre. Je vous ai dit que j'étais très rose. Mais là ça pop. Popping. C'est trop cute. Genre c'est... C'est simple et mignon en fait, c'est ça qu'on veut, simple et efficace, très important. J'aime trop. So guys, voici la fin du haul, j'espère que ce haul il vous a plu. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait un haul, je vous ai présenté des habits, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je compte refaire ça vraiment chaque mois. Essayer de vous montrer un peu les vêtements que j'achète. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye guys. Girl, I know you wanna. You know I wanna